Bonjour, c'est Lisa. Alors aujourd'hui, ça va être un tout petit haul parce que hier, je suis allée à Manosque chez Ziman. Je me suis aperçue qu'il y avait un Ziman à Manosque que je n'avais jamais vu. Pourtant, j'y suis allée souvent à côté de Ziman, il y a la foire fouille. C'est en allant à la foire fouille, j'ai vu qu'il y avait un Ziman. Donc, par curiosité, j'y suis allée. Et j'ai acheté quelques bricoles. Et c'était aussi pour vous faire un petit coucou parce que. En fait, je n'ai pas disparu, mais c'est juste que je n'ai pas le temps de faire de vidéos. Comme j'ai d'autres activités autres que le scrap. Donc, alors on commence. J'ai pris quatre petits blocs à 99 centimes. Alors, c'est tout déballé parce que je viens de faire une vidéo et quand j'ai revisionné, c'était sombre, on n'y voyait rien. Alors là, j'espère qu'on va. J'ai changé de place et j'espère qu'on y verra bien. Alors là, ça imite du pelage. On dirait un tigre. Un autre pelage. Du bambou. Là, à mon avis, c'est du cuir. Pas si on voit bien les détails. Et il y a plusieurs feuilles. Un, deux. Il y a trois feuilles identiques à chaque fois. Là, on va dire que c'est du zèbre. Là, c'est plutôt, on dirait, du béton. Là, c'est de la pierre. Notre motif de pierre. Celui-là, ensuite celui-là, le papier est fin, d'où le prix de toute façon, mais je le trouve quand même assez sympa. Alors, on retrouve bien entendu certains motifs. Là, pour moi, c'est du jean. Du jean gris bleu, on va dire. Peut-être que si je me rapproche. Là, je ne sais pas. Et c'est dans les tons gris bleu. Là, on dirait de la toile de jute ou du linge. Là, ça imite aussi un autre style de tissu. Là, on va dire du papier blanc froissé. Encore de la pierre. Et nous avons celui-ci aussi. Ah, alors, celui-là aussi. Celui-là et celui-là, c'est mes deux milieux que je préfère en fait. Des petits papillons. Pas si vous y voyez, mais là, le fond de ce papier est saumoné. Saumoné, pardon. Saumoné, n'importe quoi. Là, les petits cœurs. Des petits points. Tamponnage. Pardon. Tamponnage. Ouais, qu'on retrouve sur des enveloppes. Comment ceci. Celui-là, j'aime pas trop. Le feuillage. J'adore. J'aime bien les feuilles. D'autres petits cœurs. Là, ça imite du point de croix, à mon avis.
Moi, je ne vois pas. J'espère que cette fois, ça va marcher. Et à la fin, toujours le même, le papillon. Ensuite, nous avons celui-là. Et c'est avec celui-là que je vais faire un mini-album. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais alors, un album court, vite fait, sous forme de petit carnet, on va dire. J'ai déjà préparé les pages. Oh, on le voit pas. On voit. Il n'y a pas de luminosité. Voilà. Y a ça. Ah, celui-là est pas mal aussi. Punaise, je sais pas si on y voit. Si on n'y voit pas, je recommencerai la vidéo. Ouf, ouais. Le fond est blanc. Là, on retrouve le même, on retrouve le même. Donc, voilà. Alors, avec ce bloc, ou ce bloc, je ne sais pas, je vais réfléchir. Je vais commencer un petit mini. Je vous montre ce que j'ai préparé déjà. Ce sont des pages, des feuilles cardstock en couleur que j'ai découpées. Je vais voir ça. 21 cm de long. J'ai plié en deux, ce sera les pages, sur 14,80. J'ai abîmé les bords. Et j'ai ancré. Et après, je vais coller les pages entre elles. Enfin bref, vous verrez. Voilà ce que ça va donner. Un vieux. Ça va faire vieux carnet. Ça, c'est pour la prochaine vidéo. Donc, après, je me suis acheté 4 bobines de perles. Alors, elles sont défaites, bien entendu, parce que comme je vous ai dit, j'ai déjà fait la vidéo. Et j'ai pas remis comme il faut. Alors 99 centimes. Les 4. Nous avons ce motif-là. Et ça rend rien du tout. J'espère qu'on y verra bien. La longueur des bobines, dedans, il y a pas grand-chose. 1,20 m. Voilà, 1,20 m. C'est en plastique en plus, alors ça m'a l'air un peu fragile. On voit que c'est pas trop de la qualité. Voilà, 1,20 m. Je plie en deux, ça donne ça. Nous avons ce motif. Oh, j'ai froid. Alors hier il faisait chaud, aujourd'hui il fait froid. J'espère vraiment que ça ressort bien parce que. Ensuite, ce motif, les petites fleurs, j'aime bien aussi. Et un creuset. Et les demi-perles. Voilà. Un mètre vingt aussi, et je me suis pris un petit paquet d'élastique, pas pour les cheveux parce que j'ai les cheveux courts. 49 centimes, c'est pour faire des fermetures d'albums.
Après, il faut que je trouve le système pour accrocher dessus, mais déjà, j'ai la moitié du... J'ai déjà mes élastiques. Et quand j'ai voulu l'acheter à Hyper U, le même paquet, les mêmes élastiques, eh ben, elle faisait presque 2 euros. Donc là, 49 centimes, je ne vais pas m'en priver. Voilà, ben, pour ce petit haul, c'est terminé. Je vous dis à bientôt. Bonne journée. Et la prochaine fois, ça sera mon petit tuto sur le Timini que je vais faire là bientôt. Je vous dis à bientôt. Bye bye.